C'est génial ce truc, non mais regarde un peu ça. Qui irait se foutre là-dedans? Sérieux, c'est un téléphone. Sorry, man. Bah, ça date d'avant les portables, je trouvais ça plutôt cool. Eh, c'est quoi ça? On dirait un genre d'avion. Ça ressemble pas vraiment à un avion. Non, vas-y, vas-y, continue de filmer. Ah ouais, le truc palpitant, laisse tomber. Oh putain! Ah ouais, j'ai trouvé le son. Ouais, ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois. C'était à la fin de l'autre, c'est pour ça. Oh merde, t'as vu ce mec? Il a la gueule en sang. Arrête de filmer! Mais arrête de filmer! Lâchez-moi! Lâchez-moi, putain! Attention! Ah non, pêche, le tour... N'empêche, les deux tours jumelles, c'est ce qui a dû se passer déjà. Oh merde! 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 Ça va! Allez vieux, relève-toi! J'ai besoin d'aide! Aidez-moi! C'est con ça. C'est con. C'est très con. Collision de satellite. C'est la version officielle. Oui, mais c'est pas un engin nucléaire. Ça colle pas, les dégâts sont pas assez importants. Et pourtant si. Heureusement, grâce au bouclier antimissile, on est parvenu à détruire l'ogive. On a un vrai bouclier? Je croyais que c'était bidon. C'est ce qu'on appelle de la désinformation. Bref, parlons de l'objectif qui vous concerne. Le site de lancement. Laissez-moi deviner. Les Russes affirment qu'ils sont blancs comme neige? Quoi? Pile à l'heure. La ramène pas. Les premières infos sur le lancement émanaient de Moscou. Ils sont aussi sur Prekno. Sûrement un détournement terroriste. C'est peut-être celui que vous pistiez il y a quelques mois. Mais pour l'instant, Londres est visée. J'avoue, j'aime bien les cinématiques de ce jeu. La situation est critique. Le gouvernement russe nie en bloc, mais ce missile a bel et bien été lancé depuis la Russie. Que Ravensbrück soit ou non responsable du lancement, une chose est sûre. Ils appellent en coulisses au renversement du président Volodine. Leur plan commence à prendre forme et ça n'a rien de rassurant. Nous ne sommes pas en position d'intervenir dans leur lutte de sérail, mais nous ferons pour le mieux. L'analyse balistique situe le site de lancement au Daghestan, à l'est de la frontière géorgienne. Les Géorgiens ont déployé une unité des forces spéciales pour mener l'enquête, mais ils ont perdu le contact. Nous avons accepté de les aider à trouver leur escouade et des réponses à nos questions. Salut à tous, c'est les amis, c'est Moti955 et oui, on est de retour aujourd'hui sur Ghost Recon Future Soldiers et oui, toujours avec mon beau petit casque, mon petit tripod. Je suis assez content d'ailleurs de l'avoir. Et avec moi, j'ai Zit95, comment vas-tu? Bonjour à tous. Ouais. Bien, l'entrée de Zit95. Ah oui, bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend si vous êtes. Il est tellement motivé, Zit motivé, ça fait bonjour à tous. Non, pas du tout. Je suis occupé à pas autre chose en même temps, je suis désolé. D'accord. Et avec nous, d'ailleurs, il y a toujours Mad Max 95. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Bonjour. Et moi aussi, j'ai un triton. Vive les tritons. Vive les tritons, ah, je suis d'accord. Mais t'es triton, là, en fait. C'est un nouveau, d'ailleurs, Mad Max que t'as eu, là. Ouais, j'ai pris le même que Toto. Ah oui, d'accord. Tout noir et avec le signe en orange. Ouais, moi aussi je l'ai, c'était mon ancien. D'ailleurs, t'as vu une de mes vidéos, Mad Max? Ouais, j'ai vu. Comme ouais. Le mien? Ouais, ouais, à peu près. En fait, je crois que toi t'as l'ancien, et nous on a eu les nouveaux, puisque les nouveaux ils sont arrivés il y a même pas un mois, quoi. D'accord. Et voilà. En fait, moi j'ai un nouveau là aussi, et en fait c'est le X Pro Plus, un truc comme ça, un truc comme. Ah, nous enfin, c'est AX 180, et super bonne qualité, on fait de la pub.
Bon, petite pub, Triton, venez toucher Triton, s'il vous plaît. Bon, les amis, c'est parti. Bah, en fait, c'est moi, je suis pas prêt, donc je me mets prêt. Et voilà, c'est parti. Et j'ai toujours le son en décalé dans mes oreilles, mais c'est pas grave. J'ai baissé un peu, comme ça, on va mieux s'entendre. Et c'est let's go. Alors, je crois qu'il y a combien de missions que tu me disais, Zit? Alors, si je me trompe pas, il y en a une quinzaine. Il y en a une quinzaine. Donc... On en est à la septième. Voilà, on est à la septième et on a dû en faire deux missions dans deux vidéos, sûrement. Non, on a fait... Oui, on a fait deux missions dans une, la dernière fois. Ouais, bah voilà, c'est peut-être pour ça. Donc, normalement, là, ça va être la sixième vidéo. Ouais, voilà. N'oublions pas qu'on fera un peu aussi de guérilla, une petite vidéo sur la guérilla. Donc, ouais, j'ai présenté en plus tout à l'heure la guérilla à Moti. Tout à fait. Ouais. Et il a dit que c'était pas mal. Le mode guérilla est pas mal du tout. Alors, il faudra dire aussi que sûrement en mode guérilla, on va être 4. Il faudra voir avec Tito Nini, c'est ça? Ouais, exactement. On verra ça, mais pour le moment, alors... Alors, passez avec vos fusils d'assaut, s'il vous plaît. J'y étais déjà. Fusils longue distance. Merci. Oh putain, j'ai un viseur laser, j'avais même pas vu. Moi j'ai mis un pulse à, un accessoire à pulsation de cardiaque, truc dans le genre. En gros, les ennemis qui sont proches, je les détecte. T'as juste à mettre la vue. Flèche du bas, je rappelle. Non, mais je les détecte pour tout le monde. Ah, tu les détectes pour nous? Ah, y'a un mec qui se balade tout seul par contre. Oh, il est tente, hein. Il est où? Là-bas, là. Bon, bah, ok. C'est pas grave. Il tentait trop, les gars, désolé. Oh la vache! Oh la vache! Pouah! C'était quoi ça? C'est une mitrailleuse. Oh la vache! Oh, je me suis fait buter à travers les planches. Les planches en bois, ça te protège pas. Bougez, il y a des grenades en plus. Oh, il y a des grenades flash, je vois plus rien. Tu sais quoi? J'en ai marre. Eh, hey, 30K, il est déjà devant. C'est pas possible. Ah si, faut croire. Ce mec là c'est un invincible. Je l'ai eu, hein. C'est pas avec ton fusil à pompe et tapette que tu vas l'avoir, hein. De qui, à qui vous parlez? Moi, j'ai pas de fusil à pompe, hein. À qui que tu parles? À toi. Ok. Le salaud. Après, quoi, c'était pas ton fusil à pompe de tapette que t'avais dans les mains? Tranquille, il avance, hein, il nous attend, les gars. Attendez, il y a lui, des on se met tous en ligne. Il y a des munitions à prendre. Il est où le carton des munitions? Juste là. À l'intérieur de la maison? Ouais. Ah ouais. Wouah. Coco, c'est une. Rechargement. J'avance avec 30K. Hein. Oh, vois, au lieu de tirer le mec qui était en solo, les premières choses à faire c'est de tuer les mecs en hauteur pour pas que les autres les voient. Faut que tu te rappelles de ça, Mag. Mag est petit d'ailleurs. Hein. Moi je suis prêt, il me tentait trop donc. Et ça fait longtemps que. Et on y a pas joué. C'est toi, Mad Max, qui l'a tiré? Ouais, moi je l'ai buté. Une balle. C'est sérieux? Ouais, avec une MP7 en plus. Hein. Et j'ai la longue distance. Le corps. Parce que j'ai tiré aussi. Sur le même mec. Sauf qu'ils ont découvert le corps, hein. C'est pour ça que ça buguait. Ça nous a grillé. Les gars, il y en a un, il a un pistolet électrique. Enfin, c'est ce que je crois. Hein. C'est Anthony, faut savoir. Eh, c'est pas moi, c'est la cinématique. La deuxième arme que j'ai, c'est un fusil à pompe.
je tiens à le signaler. C'est parce que j'ai vu. C'est parce que j'ai vu. Un fusil à pompe. Les gars, on va. Précision, un multi-tir. À chevrotine. Tiens, tu le vois pas là dans le dos? Et les Russes s'approchent. On vous a localisé. On a... Non, moi je veux juste voir mon arme. Salut. Mais le mec il nous dit à bientôt quand même. Bon, en avant les gars. Alors en ville, faites gaffe à vous. On s'abaisse, on se baisse. On a le droit de tuer des civils. Non. Mais en fait, je sais pourquoi ils m'ont repéré. C'est parce que j'ai toujours le laser en fait sur mon flingue. Non, ça change rien. Bah j'ai vu un grand laser tout à l'heure. C'est un truc de fou. On me voit trop. Merde. Attends, je peux pas par là. Il y en a, il s'est perdu. Bah attends, on suit tous ces zites et finalement on s'est planté. 30K, il nous a mis une douille. Il s'est caché. Ah lui il est toujours prêt 30K. Pourquoi je le sens très mal? Ouais parce que 30K il avance tout doucement. Je crois que je me mets derrière 30K. Les gars ce sera mon bouclier. Mad Max je crois que t'es devant. Non c'est exit. C'est qui? Ah bon? Ouais mais faut sauver un mec. Attendez, avancez doucement. Je te suis depuis tout à l'heure. Regarde. Je prends le premier, tu prends le deuxième. Tu prends celui de droite. Tu prends celui de gauche, ok. Prêt, go, élimination furtive. Ah, il y a des armes, les gars. Il y a un sniper. Oh putain, on s'est fait repérer, non? Ouais, c'est moi. Non, c'est 30K. Non. Oh là là, élimination. Oh, je me suis fait buter encore. C'est pas méchant, t'inquiète. La première fois que c'est pas 30K, qui te soigne. Il y a un gars sur... Il y a la batterie de tir, le laissez pas monter sur l'espèce de gros 4x4 là. Je crois qu'il y a un truc dessus. Non, y'a rien. Attends, je vois quelqu'un. Alors les snipers ont une visée thermique hein. T'es à terre? Ouais, je suis à terre. Je suis à côté. Il faut un truc. 30K, il voulait remonter. Je vais me mettre là. Moi tu sais quoi, je dis, il y en a marre. Allez, vas-y, lève ta tête. Comme de par hasard, quand j'y vais avec le pépon, il n'y a plus personne. Oh non, je me souviens trop bien de ce que j'ai pas. J'ai pas entendu le petit mot RAS, c'est bizarre. Si, il y a eu. Si, il y avait même noté, je crois. Je vois plus rien, je suis où? Il y a des petits cons qui sortent d'une... j'ai pas compris là, il y en a sur le toit. Pourquoi Moti, Mathieu est mort? Mag. Aucune idée. Il s'est fait tuer. Ouais, j'ai méchamment. J'étais con. Il y avait des mecs sur le toit. Non mais il y avait des boucliers qui arrivaient. Moi j'ai tué le chauffeur déjà, c'est déjà bien. Les camions. Il s'est fait pulvériser par mon petit silencieux. Non les gars, il faut pas se... Tu vois, faut... On va buter les deux tranquillement, Motil, voilà. On va buter les deux discrètement. C'est carré. Je vous les laisse. Oui, c'est carré. Ok. Élimination furtive. Je pense que... Tu les laisses avancer déjà. Il y en a trois là. Non, il y en a que deux. Tu prends celui de gauche. T'attends. Heureusement que j'ai dit t'attends. C'est de la chance que je sois assez rapide au niveau des touches. Alors,
Outil détecté. Non mais t'es sérieux? Ouais. Combien veux-tu que je nettoie la zone tranquillement après? Okay. Il y en a un derrière le mur là-bas. Ouais, tout au fond. Il est mort. Tu l'as eu? Non, il est mort par les mecs de là-bas. Ils sont à nous, ils sont chez nous les gars du fond. Hein. Je viens de préciser avant que vous attaquiez. Il faut qu'il y ait une personne qui descende. Moi aussi. J'y vais. Tu vas te faire buter. En mode camo, je crois qu'il y en a d'autres qui doivent descendre en fait. Voilà, il en fallait deux qui descendent. Je vais remonter vite fait, comme ça j'aurai plus de portée déjà. Ok. Est-ce que t'arrives à avoir les snipers qui sont au fond là-bas? Ouais, moi oui, je peux. Oh merde! Putain, t'es trop loin. T'inquiète, y'a 34 qui va arriver. Attends, je vais mettre la vue. Il y en a un qui se déplace. Non, si, non. Ah, ils sont au fond. Putain, 30k, y a le mec au bouclier qui est juste en face, mais c'est pas grave. Ah, je me fais tirer dessus, mais balisté comme ça là. Ouais, cours. Ah, cours. Reviens vers là. Attends, je vais faire une élimination à longue distance avec un flingue. Et ils m'en veulent, hein. Je sais pas ce qu'ils veulent, là. En tout cas, il y a plus personne dans la maison. Il y en a deux au fond. Deux. Ça, c'était le fusil à pompe, ça. Je sais pas, c'est quoi qui m'a tué en fait? C'est bizarre. C'était les mecs qui étaient derrière la petite camionnette. Il y en a plein. MRS. C'est bon? Ouais. Des munitions. Il y a un mec qui vient de se casser. On est dans la baraque pour les munitions. J'aurais dû vraiment prendre le MSR en fait, j'aurais pas dû prendre le M14. Je suis obligé de foutre deux balles de M14. Moti, attends un peu parce que Magma c'est encore là-bas. Non, je suis là. Je suis dans la petite maison. Essayez d'avancer le plus discrètement possible en vous mettant à couvert. Derrière les voitures, c'est ça? Ouais. Exactement, c'est ce que j'ai dit. On va essayer. Je suis trop gros, je passe pas derrière les voitures. Contact ennemi. Yeah. Non, rien à signaler. Et je me sens vraiment très mal. 30k, c'est un dieu, les gars. Putain, il y a une grande place là. Non, mais cherchez pas, il va y avoir des ennemis là. Je le sais parce que j'ai fait cette mission. Et voilà. Et c'est qui le con qui va en plein milieu avec trois ennemis derrière lui? Il y a un truc de munitions ici, je l'ai trouvé. Ouais, moi aussi je l'ai.
Moti, va pas au milieu. Je suis au milieu. Oui, mais faut pas. Tu vas te faire... Là, on va se faire encercler, là. Il y a 34 avec moi. Faut pas qu'on reste tous au même endroit. Faut pas qu'on reste tous au même endroit. Sinon, on va se faire encercler. Mais moi, je... Sans regrouper, bah c'est bon, c'est fini. Non. Ouais, tu vas voir. On va se faire tirer dessus. Moi, je le connais, je la connais, cette mission. On va ouvrir la porte, on va devoir... On va sortir le mec, on va aller sur la place du milieu, et puis on va se faire attaquer. Mad Max, t'es en retard. T'inquiète, je bouge. Toujours en retard. Non mais je regarde, je vois, il y a des points hauts, donc vite, tu vas pouvoir monter tranquille. Le problème, c'est que je vais pas avoir le temps. On et il y aura des snipers déjà. On va se faire tirer dessus, système piraté. Ok. Contact droit devant. On dirait bien. Pas moyen de les trimballer ailleurs. Relevez la position. On s'arrange. Il est mort. Bah, ils viennent le buter. Non, c'est pas vrai. Il était déjà mort. Oh, le menteur. Un mec qui dort sur une table, c'est normal. Martin, il voit rien de. Ok. Il y a 34 qui s'y met maintenant. Wouah. Non mais tu vois bien que le système est piraté. Bon. On est piraté, donc il y a sûrement personne. Pour l'instant, ça a l'air... Non, en fait, ils nous inventent des ennemis, quoi. Voilà, fait... Moti, ouais. Camo. Il y a du monde, il y a du monde, il y a plein de... Oh là là, oula, oula là là, oula là là, oula là là. En plus, on a du temps, les gens. C'est des réels ? Ouais, là, c'est des réels, on a du temps pour les tuer. Ah, on peut les tuer en non discret ? Ouais. Vous me dites quand vous êtes prêts. Bah, apparemment, on est prêt, hein. Ouais, y'a déjà quelqu'un qui a commencé à buter. Ah, ouais, quand on dit. Quelqu'un s'est fait buter. Bah, le mec qui se dit non discret, hein. Mais je crois, y'a quelqu'un qui a couru droit devant. Il a couru droit devant, devant. Ce motif, il a pas cherché à comprendre, il a vu qu'il y avait des ennemis à droite à gauche, Nécron, j'ai vu un mec qui courait, qui sautait vers les... Au début, je comprenais pas, j'ai cru que c'était un coup de feu. J'ai vu Moti. Y'a pas de camouflage, les gars, ça sert à rien. En se mettant comme ça, on va en tuer quelques-uns. Ah non, c'est Mad Max qui l'a détecté. Les gars, si vous voulez... Wouah, c'était qui ça? Il y a Justin Bieber qui s'enfuit là-bas au fond. Faut le nuit. Voilà, c'est bon. Je l'ai tué. Il y a personne là. Faut courir, on a du temps, les RAF là. Je sais pas, j'avais vu quelqu'un. Moi. Contact. Putain, waouh, y en a partout. C'est pas possible. Ah si, apparemment c'est possible, apparemment. Mad Max détecté. De quoi? C'est impossible, 30k il était avant moi. Wow, bah oui, je me suis fait détecter par un truc de fou là. Et je me suis fait buter.
Faites gaffe parce que le truc détecte aussi des arbres. Des escaliers, tout ce que vous voulez. Putain mais ils arrivent à me détecter de là. Je t'ai dit, moi aussi je me suis fait détecter. En cas, cours! Je suis touché! Je suis touché! Ça va, celui-là! Wouah! 34, va faire Mac! Non! Non, la grenade! Non! Putain, putain! Ennemi à gauche! Non! Attention, attention! In extremis! Oh là là, hey, il est fort! 34, on le garde! 34, reviens! Il va faire les allers-retours en fait. 34, t'es où? Allez, va vers Moti maintenant! Non! 34! Ok. Il y en a un qui est rentré dans l'église. Il en reste 3, vous en occupez, moi je vais aller chercher celui-là. Il y en a d'autres là. Hein. Oh putain, oh, putain une grenade! 34, on se casse, viens! Dans le PD. Okay, il veut pas, il veut pas. Allez, c'est bon! C'est clair dehors. Il nous reste une minute. C'est bon. On y est. On a encore piraté. Eh mais on se faisait remarquer trop loin. J'étais loin derrière vous, derrière 30K exit. Et ils m'ont repéré direct. Alors que j'étais au moins 50 mètres derrière eux. Vite, 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 vite. Vite, vite, vite! C'est en train de se faire. C'est bon, les gars? Ouais, ouais. Tu prends celui du mur là-bas. Tiens, tiens, dans ta tête, dans ta tête. Nickel. Il y en avait un au fond. Les gars, personne l'a niqué. Non, non, mais moi je l'ai eu. C'est lui au fond du bureau. Et il se faisait planquer quand je suis arrivé, j'ai pas pu l'avoir. J'ai eu le second, il y en avait deux. C'était soit je tue celui qui allait tirer sur un Audacé, soit je tue celui qui était derrière le bureau, donc j'ai fait au plus pratique. Hein. Ah, on va se trouver présage. Oh 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 oh. Pourquoi ça tire sur moi comme par hasard? Ils ont dit. Ils tirent sur les Italiens. Voilà, exactement. Ils tirent sur les Italiens et en plus. Il a pas aimé ta gueule. Oh! Oh, c'est quoi? Ils sont en furtif! Ils descendent du plafond. Ils sont en furtif, les gens! Arrête de faire celui qui est étonné, zit. Vas-y, j'y vais à l'ancienne, moi. Faites gaffe parce que vous voyez pas vos doses de munitions là. T'inquiète. Il me reste les petits flingues. Ouais, j'échange de temps en temps, comme ça au moins. J'ai pas de mauvaise surprise. Oh là. Wow 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 wow. J'en étais sûr. C'est quoi ça, un tank ça? Ah non.
Ça c'est bon. Les gars, sur les toits. Sur la gauche. La pluie. Ça arrive par la gauche apparemment. Par la gauche. Attends, j'entendais derrière nous à chaque fois. Bon, moi je les sens. Oh là. C'est pas moi. Ouais, ouais, il est là-bas au fond. Là-bas au fond. Anto, où tu vas? Tu fais le tour? Ouais, ouais, je vais faire le tour. Vas-y, je te suis. Oh merde. Bon, c'est une perte de signal par là. J'étais à côté de 30K en plus. C'est ça le pire. Ouais, je crois qu'il faut rester en doublon. Comme ça, s'il y en a un, il se fait baiser par... Je voudrais pas dire, mais... Osadaz, là, machin, là, il... Ouais, il se tire comme un salaud, lui. Il y a pas là. Putain. Il tire bien. Hein. Ouais, la même. Si si, je te suis. Enfin là, je suis à côté de 30K. Ça, et pourtant mon écran il devient pas rouge. Je comprends pas. C'est normal. On a plus le système de pour repérer. D'accord. Oh bah dis. Quand t'as plus le système pour te repérer, tu vois plus tes munitions, plus ta vie. Ouais, ouais, il faut économiser à fond. Si t'es en automatique, tu fais des petits coups sur ta gâchette. Enfin, petite remarque au passage quand même, la vie n'a rien à voir avec les trucs électroniques. Ouais, mais... Si tu sais pas quand tu meurs, c'est un peu délicat. C'est comme dans Iron Man. Eh, hey, tu t'es reçu une balle. Ah bon, ah bon. Où ça? Ah bah dans le cul. C'est bon, y'a plus personne sur les toits. Ok, ok. Alors, là, on avance les gars, on avance. Il vient de me faire exploser à côté. Il vient d'en buter un au petit flingue. Wow. Tac, suis-moi. T'es parti par là? Ouais. Ok, je te suis. Ça pète. Et je regarde sur le haut. Et on va passer par là. Sur le toit, les gars. Dans le bâtiment. Je suis derrière le camion, moi. Je le vois pas trop avec le feu. Oh. Quelqu'un s'est fait péter. Reste pas derrière des véhicules, il y a des lance-roquettes. Oui, les véhicules, ils pètent. C'est vrai que ça explose un camion. Tu vois le chemin que je fais, Mag? Ouais, je vois. Tu passes, passe en fait, rue en rue. Par la droite. Ouais, de rue en rue. Je m'occupe des premiers qui sont sur le toit, là. Ensuite, il faut qu'il y ait une personne qui descende. Ouais, c'est bon. Tu l'as eu? Oui, comment ça? Il est encore debout, lui. Il s'est pris 4 balles. Prêt? On court dans les rues.
Il semblait que le mec était à la fenêtre, mais Je me suis fait péter, les gars. En cas, je me suis fait péter. Mad Max a été tué au combat. Eh, le... je me suis fait tirer dessus alors que j'étais derrière un poteau et le poteau il a rien. Mais tu connais pas les poteaux, c'est magique, hein, c'est anti-missile. C'est ce qui restera à la fin du monde, des poteaux. Quand l'univers sera détruit, des poteaux vaincront. Oh, oh mon dieu. C'est des poteaux d'Alec. Oh j'adore. Oh t'aurais dû voir. Allez c'est parti. C'est bon, ils sont... ils sont plus debout. Allez, on continue. Ils mettent du temps à tomber, je trouve. C'est surtout ceux qui ont les lance-missiles qu'il faut tuer en premier. Je vais me mettre derrière un poteau encore. Bon, ça a l'air d'être bon, la voie dégagée. Il y a la baraque qui est là, c'est ça. Vas-y, qu'est-ce qu'il fait lui derrière? Eh, y'en a un à mes pieds! T'es où? Non, c'est bon, j'ai été soigné. Vas-y, y'en a un qui... Je me suis fait déglinguer par derrière, c'est quoi ça? Bon, vas-y. On court dans le bâtiment là-bas. Ouh, j'ai évité de peu. Oh! Et par contre, il va se faire péter. J'ai vu le camion de moto exploser. En fait, ZTP, dans le bâtiment et tout. Moi, je le suis et tout. Sauf que lui, il passe tranquille. Moi, non, je me prends un lance-roquette. Super. Tapi. Oui, il y a une roquette furtive qui est passée à côté de moi. J'ai rien compris. Bah, début de partie, là. Je commence à courir. T'as la roquette, elle passe à 2 cm de ma tête. Je suis... Oh. Le truc, le mec, il a vraiment eu chaud, quoi. Ah, c'est chou, là. Bon, les gars, il faut réussir cette fois. Mais avec les lance-roquettes, c'est pas évident du tout. Hein. Bon. Allez, c'est parti. On va tous les buter. C'est bon, là, moi, je vous propose un truc. Un qui tire les snipes. Tout ce qui est en hauteur, les autres qui démontent ce qu'il y a à terre. Pour éviter. Oulala. Mad Max, doucement, t'es je sais pas où là. Je nettoie avant que vous arriviez. C'est toi qui vont nettoyer tout à l'heure. Pour l'instant ça va. Là je m'occupe des roquettes mais Mais faut pas que vous couriez trop loin. Vas-y, 30k, il a avancé, on avance. Je l'ai abattu! Près de la voiture! Fini tous les! J'ai eu! J'atteins pas le mec là-haut, donc pour le moment, attendez. Oh là, y'a un missile, y'a un missile. Le sniper du haut, je l'ai eu. Par contre, je suis tombé. Hein. Moti derrière toi. Oh, je vais éviter de rester à côté de la voiture, sinon je vais me faire péter. Putain, je peux pas buter les mecs d'en haut si vous me couvrez pas. Putain, comment t'as fait pour mourir juste à côté de moi? Oh! Putain, moi par contre, je meurs qu'une seule fois, c'est direct avec le lance-roquette, putain. Parce que t'étais déjà mort avant. Non, moi non. Non, mais moi je suis tombé avec toi. Ah, d'accord, ok.
Mais le problème, c'est que je peux pas buter les mecs si vous me si vous couvrez pas le bas, quoi. Parce que je veux bien me faire les lance-roquettes, mais le problème, c'est que... T'es un sniper, toi? J'ai la M14, mais M14, en fait, c'est un fusil d'assaut qui tire en coup par coup. Bah, pourquoi tu laisses pas quelqu'un d'autre le faire? Le problème, c'est... Moi, je veux bien le faire, hein, parce que... Je peux y arriver, mais... C'est que tout à l'heure, je les voyais pas, ce qui était le missile. Putain, j'ai même plus de grenade. Ouais, cette fumée. T'as vu, ça gêne, hein. Je les vois pas trop dans la fumée, en fait. Allez. C'est bon, le sniper, le lance-roquette à la porte, lui. À la fenêtre, lui. Ok, nickel. On peut avancer. Ah, il vient de l'avoir. Il y avait quelqu'un à la fenêtre. Non, c'est bon, il s'est fait tuer, je crois. Moti, avance pas trop. Ouais, mais... Bute les mecs que tu vois en bas, mais... Il s'est paré l'autre. Il s'est paré, quoi. Où est-ce qu'il est arrivé, ce con? C'est bon. Tu l'as tué, l'autre? Ouais, apparemment, il n'y a plus personne, par contre. Tu l'as eu, ta tête, toi? Sors ta tête! Normalement, il devrait plus y avoir de trucs hein, comme ça. Je suis passé de l'autre côté de la maison. Ils ont des P90. Ok. Sécurisé. Oh! Ça va, je suis pas mort, mais bon. Je sais pas ce que j'ai reçu dans le cul, mais... Ok, il est mort. C'est bon, on a sécurisé le camtar. Ok, nickel. Ouais, voilà. Bon, j'ai réussi à avoir le défi, tuer les... abattre les snipers, les lance-roquettes pendant votre fuite. Bon, les gars, on va fouiller les poubelles, hein. Moi j'ai un petit truc à dire quand même, comme je suis sur chaque vidéo, j'ai quand même un petit truc à dire. Je compte ouvrir une deuxième chaîne. Ah ah! Ah non, c'est même. Ah, je croyais que c'était le. Autant pour moi. Je croyais que c'était un P90, mais je me suis bourré. Ouais, donc en fait, tu comptes ouvrir une seconde chaîne. Voilà, exactement, je compte ouvrir une seconde chaîne, mais pas de gaming. Attention, papa. En fait, tu l'avais déjà dit à la dernière. Non, ouais, non, si, je... Ouais. Non, je crois pas. Un truc d'humour. Ah bon? Ouais. Ok. Donc là, tu te répètes, mon vieux. Alors c'est pas grave. Ma question, c'est... Vous avez vu 30K? Il a même pas besoin de se baisser. Non, Osaka. Ou je sais plus qui. Ouais, bah il buguait, il était debout, il passait dans les... C'est pas grave. Ma suivante... En fait, suite à ça, vu que je vais ouvrir une deuxième chaîne, ça sera une chaîne d'humour. Un peu sur les séries télévisées, tout ça, machin. Un peu comme Walking the Dead. C'est un peu... Je vais faire des sketchs là-dessus. Et autre chose, tout comme des dictons, comme on dit, par exemple, on dit souvent que... les femmes savent mieux conduire que les vieux hommes. Donc moi, sur ça, j'ai envie de dire, bah, on va tester. Ouais, parce qu'on va essayer de prouver ce genre de choses-là. Par exemple, quelqu'un va faire un créneau avec une voiture, un homme va faire un créneau avec une voiture, et on va prendre une fille qui va essayer de faire la même, un créneau avec une voiture aussi. Il y a des munitions, là. Ça sera chronométré, et ça sera vraiment rigolo, parce qu'il y a aussi le fait qu'on... Ah, tu veux faire le combat des hommes contre les femmes, c'est ça? Il y a un peu ça, oui et non, parce qu'il y a aussi... On dit souvent que les femmes se plaignent moins que les hommes. Donc, par exemple, j'ai prévu de faire la petite baffe dans la gueule de la bonne femme. Et la baffe dans la gueule du bonhomme.
On va voir si vraiment c'est qui va avoir le mal le plus. C'est ça que c'est pour ça que j'ai du mal à trouver des personnes pour ça, tu vois. C'est sadique un peu. Ah ouais, c'est sadique. Mais j'ai envie de faire ce genre de choses là. Ça va me plaire, ce genre de petit truc. Mais justement, je passe une annonce pour savoir qui ça tenterait d'ouvrir une chaîne YouTube en m'aidant pas mal de fois quoi dans mes vidéos quoi. Et maintenant, place à l'action parce que il y a du monde. Me dis pas qu'on a une vieille arme là. Comment ça, t'as une vieille arme? Attends, je crois qu'on a des vieilles armes. On a changé nos armes là. Non, non, moi j'ai changé mon arme sur les cadavres. Oh merde, je suis où moi? T'es mort. J'en étais sûr. Je sais pas pourquoi j'en étais sûr. Je voyais plus rien. Comment ça, tu te dis t'as une vieille arme? Je sais pas, c'est... nos armes elles ont changé, non, non? C'est non, que non. T'as pas pris tes munitions, gars. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? C'est sûr, s'il attire pas, c'est que t'as plus de munitions. Non, mais je te parlais, c'est bizarre parce que quand je mets le viseur, il est pas le même. Ah parce si, que là j'ai mon arme. Arme secondaire. Ah non, si, non, c'est bon, j'ai mon arme. J'ai tué 3 mecs au petit flingue. Comment ça se fait? Je suis mort derrière un poteau. Celui qui viendra me soigner, il verra. Ah ouais. C'est pas possible. Faut pas abuser quand même. Mort derrière un poteau. Ah là là, parce que ton perso est trop gros, c'est pour ça. Faut faire quoi? Faut protéger? Je sais pas du tout. Si, il est écrit protéger. Oh, il s'est pris une roquette, il est pas mort le mec. Par contre, il est où le mec qui tire des roquettes là? Il est mort. Je suis en route vers le point d'extraction, mais la zone grouille d'ennemis. Je ferai pas de vieux os. Ok. Ça a l'air d'être bon, hein. Il y a des packs, il y a un pack de munitions où je suis. Où ça? Mais sur moi. Les gars, on se regroupe, on se regroupe. Hey, j'ai entendu un ta gueule. Ouais. Et bouge tes fesses toi, aux autres. En plus c'est même pas un asiatique. T'as pas le droit de t'appeler comme ça. Allez. Oh l'hélico. C'était sûr ça. Et en plus je suis déjà dans le rouge. Vas-y. Mon fou, grenade partout moi. C'est la fête. Allez hop. Ils sont où? Ouais moi aussi, je sais pas. Ils sont invisibles. Ouais. Ils ont des spécinales. Ah ouais. Oh putain, ils sont là-bas. Je viens de me faire buter. Je regarde. Non, ma fleur. On est tous à terre. Hey, tu fais quoi? Putain. Je t'ai vu te faire. Voilà. Je t'ai vu te faire tuer le mec. T'étais déjà à terre, le mec il est arrivé, t'as canardé encore de balles. Oh là là. On a une preuve. Il y avait écrit Xit 95. Ah ouais. Mais en fait, je me suis pris une grenade qui m'a fait décaler de l'arbre, du poteau. Et au moment où je me décale, je me suis fait canarder. Puis je tombe à terre. Je reculer vers vous, et là t'as un ennemi qui se ramène et qui me canarde. Ouais, je l'ai vu, ça, là bon, franchement je l'ai vu. Mais ferme là. Mathieu, t'as l'ultimax. T'es sérieux? Ouais. Bon, les gars, mon arme de poing va changer. L'ultimax est à moi. Bon les gars, je joue en full lourd. Fusil à pompe ultimax, gars. Bon, ça va faire du dégât, hein. Bon, on se regroupe. Ouais, parce que... Faut que l'hélicoptère il pète, en fait. Non, je m'en fous. Allez. Vas-y, on tire sur l'hélico. Vas-y. On peut même pas.
c'est même pas. Oh là. Reculez, reculez, reculez. Il a avancé. On les voit pas avec le mode. Si, le mode thermique. C'est le mode magnétique. Le mec, il cherche même plus à viser, tu sais. Moi je m'en J'étais liquide. Si t'es à terre, si t'es à terre. Oh bah je suis juste à côté. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il va se faire buter. Oh! On se casse, on le laisse dans la merde. Faut se battre, faut se barrer, je crois. Faut se barrer, les gars. On se fait la malle. Non, sans blague. Mets-lui une balle dans la tête. Oh putain, en carré, allez. Et comme de pas... C'est qui va avancer? Qui va le protéger? Ah putain. Ah. Oh oh. Attends. Bien sûr. Le temps qu'il est dans le pont il a rien. J'adore la phrase. C'est la grosse merde. J'adore le camo bizarre qu'ils ont. Ils ont des bouteilles, des canettes de bière. Wow. Oh là là. Bon, c'était une mission un peu dure, hein, entre guillemets, hein. On est quand même à... je sais pas. Bah moi j'ai 50 points Ghost, je sais pas pour vous. Ouais, moi aussi. On est à 45 minutes, les amis. En même temps, tu m'étonnes, t'as vu comment ça a été galère? Ouais, c'était une grosse galère, je l'admets. Et là, ça va être de pire en pire. Hein. Ouais. Et au niveau des frags, j'en ai tué 5 à la grenade. En faisant mumuse. Bien les amis, c'était très bien, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, pour ceux qui m'écoutent, que ça intéresse, qui habitent pas très loin non plus, donc moi j'habite Gisors forcément, et si ça intéresse quelqu'un, qui me le dise par YouTube ou autre, et on verra ça, pour ma prochaine chaîne, pour des gars qui seraient intéressés et des filles, voilà. Bon les amis, voilà, c'est fini pour aujourd'hui, la nouvelle mission, la 8e mission vient de se terminer, et la 8e mission, il faut savoir que c'était la 6e vidéo du Let's Play. Les amis, je vous dis ciao, à la prochaine fois, bye bye bye. Merci encore à Zit95 et à Man Max aussi de m'avoir accompagné, et moi je vous dis que je vous laisse. Bye bye, bisous, bye. Merde.